avec Nico Dugrenier, salut. Salut, comment tu vas? Bien, bien, toujours pas fatigué, t'as pas envie de dormir? Non. Il est quand même plus de minuit, hein, il doit être minuit 20, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait comme vidéo là, Nico? Ben, nous allons finir Zelda 3, mais en moins de 5 minutes, parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo en moins de 10 minutes, mais là je vais essayer de battre... Tu bats ton record? Voilà, okay. Les japonais même. Tu bats ton record qui est de 8 minutes ou 9 minutes quelque chose. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo. On avait tapé un délire d'ailleurs pendant la vidéo. Ah, je m'en souviens. Donc alors là, nous allons récupérer nos épées parce que l'oncle il est parti avec l'épée et le bouclier. Vous voyez, j'ai pris. Donc là, je vais récupérer l'épée et le bouclier. Donc, là, nous allons pas sauver la princesse Zelda. Ah, comment ça se fait? Elle a pas été sage. Voilà, elle a pas été sage, elle a été avec Ganon. Donc, et moi, je suis pas content, donc c'est moi son héros, et c'est pas normal. Alors par contre, là, c'est là que ça va être intéressant, parce que c'est pas au même endroit. Alors, quand je suis en l'air, je fais select, sauvegarder et cliquer. Link vole toujours. Hein. Ouais, il vole toujours. C'est Rose et Jack. D'accord. En fait, je suis le roi du monde. Ok. Vas-y, continue là, perds pas de temps. Je reprends ma partie. Alors je me retrouve là. Alors là, il faudra faire attention, je vais te dire. En fait, il y a quelques secondes de décalage entre le téléphone et l'heure d'enregistrement. Oh ben après, c'est pas très grave. Hein. Là, il faut surtout pas se faire toucher parce que sinon le bug il va pas fonctionner. Donc là, je me suis pas fait toucher. C'est bien. Est-ce que tout aussi, à l'heure on a fait une vidéo et puis en fait il s'est fait toucher, ça a pas marché. Et là aussi, ça. Il faut pas. Là où je suis passé, il faut pas se faire toucher aussi. Là par contre, celui-là, tu peux y aller. Hop. Ah, disparition. Voilà. Allez Nico, remonte. Alors là, je vais tout en haut. Pas vraiment tout en haut. Mais alors à partir de là, je vais sur la droite. Tu me vois là, le petit chapeau vert là? Ah oui. Ah. Alors, on te voit plus là. Mais maintenant, c'est toujours tout droit. On risque pas de c'est Tom Tom hein. Jusqu'à la fin en fait. Toujours tout droit, toujours voilà. Tout droit. Donc nous allons entendre la musique de Ganon, et du coup, oh là, il y a ma main. On va passer. Donc, t'entends la musique, on croit qu'on va battre Ganon, mais en fait, j'arrête. Hein. Là, on a fini le jeu, ouais, tu peux arrêter. Et regardez. 3 minutes 37 secondes 59 centièmes. Et j'ai battu encore mon record parce que l'ancien chrono c'était à 4 minutes et quelques et là j'ai fait 3 minutes 37. Donc comme quoi c'est possible de finir en moins de 5 minutes et aussi c'est possible de finir en moins de 3 minutes. Uniquement sur la version Jap. Ah, alors ça veut dire que si on le fait sur la version japonaise 60 Hz, effectivement, on peut le faire en moins de 3 minutes. Ouais, en moins de 3 minutes. Le même bug. Mais alors je vais te dire pourquoi, parce que en fait, tu vois tous les. Oui, bah le jeu est plus rapide. Hein. Et du coup, le jeu est plus rapide et il y a moins de blabla à faire. Il y a moins de. De blabla à écrire et tout, du coup c'est beaucoup plus rapide. D'accord, merci. Ouais, bah peut-être, hein. Je ne sais point. Moi j'aimerais savoir si c'est possible de faire ce que tu fais, mais sur un autre Zelda. Il faut de l'entraînement. Sur Link to the... pas sur... Non, c'est effectivement... Oui, c'est ça, Link to the Past, pardon.
C'est la fatigue. C'est sur Ocarina of Time. Bah justement, je suis en train de m'entraîner. Ah. Donc. Tu nous fais des cachotteries. Je suis en train de m'entraîner, mais je tant que je suis pas au point, tant que je sens pas, je ferai pas la vidéo. Mais après, c'est pas sûr que je fasse la vidéo parce que c'est plus compliqué. Et on peut finir qu'en moins 20 minutes en fait. Bon ben voilà. La vidéo se termine là-dessus. Nicolas a sauvé Hyrule en 3 minutes 37 secondes. Et voilà. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Si vous voulez quelque chose, qu'on vous fasse une vidéo ou un défi ou autre chose, et ben vous nous le dites, vous envoyez un message sur Facebook, sur YouTube, sur Retro Gaming Powa, même en message privé, voilà. Si vous avez des idées pour des vidéos, il n'y a pas de problème, on les prend. Ouais, il n'y a rien à jeter, il n'y a pas d'idées idiotes, il n'y a que des bonnes idées. Voilà, effectivement, donc on se parlera et après on verra ça ensemble et si c'est possible, on le fait, si c'est pas possible, on va trouver la solution pour que ça soit possible. Voilà. Donc ben voilà pour ce bug de Zelda A Link to the Past, fini en moins de 3 minutes. Non, en plus de 3 minutes. En moins de 5 minutes. Voilà. Excuse-moi. En fait, c'était l'objectif. Voilà. Bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Salut. Salut.